Salut à tous. Donc aujourd'hui, est-ce que vous voulez voir ma conversation lunaire avec l'idole des moins de 12 ans? La pseudo star. Est-ce que vous voulez voir, oui ou non? Vous voulez voir la conversation que j'ai eue avec ce mec via Instagram, qui en plus me disait, viens, 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 ce bouffon que vous prenez pour votre idole. Il faut savoir que ce mec-là, c'est un mec qui a été fait de A à Z par sa maman, Madame Lucy Borsenberger. Madame Lucy Borsenberger, c'est une femme qui est très très intelligente. Et franchement, sans sa mère, je pense qu'il serait déjà, il serait clochard, il serait clochard. Parce que c'est pas possible. Déjà, rien que quand je vois comme il m'a parlé hier, je me suis dit c'est pas possible en fait. Je me suis dit non, ça doit être un, il doit avoir un problème psychologique, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est pas possible, comme on m'écrivait, j'ai l'impression de parler à un gamin de CM2 en classe de réinsertion. Donc vous voulez voir, oui ou non? Oui, attendez, à ce qui paraît, ça bug, alors je vais enlever. Voilà, donc comme ça buguait. Ah, la gamine, elle a mis son nouveau nom, paye ton loyer. Regarde, hier, elle suppliait. Regardez, attends, je vais épingler son commentaire. Donc cette gamine-là, qui m'a supplié hier d'enlever sa photo avec son t-shirt du marché, me dit à moi de payer un loyer. Je ne paye pas de loyer. Ça fait plus de 10 ans que je ne paye pas de loyer. Je sais que c'est difficile pour toi de le comprendre. Écoute, moi qui viens de la merde comme toi, qui vivais dans les HLM de Macron, mais ben, je suis heureux de ne pas y être. Et franchement, je te souhaite de t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour moi pour l'instant. Je te dis la vérité. Avec ce que j'ai mis de côté, je peux nourrir toute ta famille. Ça, c'est la petite remise en pendule alors. Donc, merci. Oui, le Tchétchène. Moi, je dis ce que je pense clairement. Comment dire, c'est la vérité. Jamais j'ai été insulté ou menacé par des Tchétchènes. Les Tchétchènes, ce sont des gens corrects, des gens normaux, etc. Alors effectivement, il peut y avoir un connard comme partout, mais en tout cas, la communauté tchétchène en elle-même ne s'est jamais revendiquée comme djihadiste ou se foutre de la gueule des gens ou insulter les gens. Ces gens-là ont connu la guerre et c'est simple, si vous les cherchez, eux, ils ont vu la moitié de leur peuple se faire détruire, se faire assassiner. D'accord? La moitié de leur peuple. Ils ont été entourés par les Russes, par 140 000 soldats entre 2000 et 2009, si je ne me trompe pas. Et ils ont connu la vraie guerre. Donc les gens qui veulent démarrer, qui veulent faire les Zoulous, là, vous qui aimez bien parler de guéguerre, avec eux, il n'y a pas de problème. Vous appuyez sur le bouton, ils ont l'habitude de. Comment dirais-je, ils ont l'habitude, hein, il n'y a pas de problème. En une seconde, ils démarrent. Vous voyez, c'est comme un boxeur. Moi, n'importe quel moment, je sais mettre une droite. Comprenez? Donc, écoute, au lieu de t'occuper de. Bref. Donc voilà. Donc, grand respect à ces gens-là. Et ne vous mélangez pas avec ces bandes de merde qui se disent, ils sont pas musulmans. Je n'ai jamais vu de musulmans. Parce qu'en fait, faut pas généraliser. Tous ces gens qui viennent, qui disent nique ta mère et que ceci et cela, qui respectent rien, ne sont pas des musulmans. Les musulmans, ce sont des gens qui respectent la religion. Ces gens-là, ils se servent de l'islam comme ils portent un sac Chanel. C'est un peu comme Maxi Blarf. Comme vous l'avez constaté, le mec, il est tout le temps en train de dire Inch'Allah, je suis musulman. Alors même que c'est le premier à être avec la reine des prostituées, à bouffer du porc et à finir le pinard pendant le ramadan. Donc voilà, ces gens-là que vous supportez, c'est tout sauf des musulmans. C'est une insulte aux musulmans qui vivent tranquillement et qui sont à cause de vous. Qui sont à cause de vous. Qui sont à cause de vous discriminés parce que vous êtes des merdes. Voilà. Voilà. Donc, après, quand tu vois les gens comme ça, voilà. Donc, vous êtes des. Vous, ah. Ah, bah, celui qui dit RIP Serge Dassault, c'est qui c'est qui est monsieur Serge Dassault? C'était un bon. On peut pas parler mal de ce monsieur. On peut pas parler de mal de ce monsieur. C'est pas possible. Donc voilà. Tac. La conversation avec Maxi Blarf, d'accord? On y va. Alors on va la mettre. Vous la voulez? Pourquoi je me suis jamais exprimé sur Monsieur Dassault? Parce que je respecte ces gens-là, parce qu'ils
C'est quelqu'un qui a été une personne extrêmement bien sur moi, pour moi, et qui d'ailleurs, moi, j'ai fait une lettre en son nom que j'ai marqué le miracle de Serge Dassault. Mais je sais que pour vous qui ne savez pas lire plus de deux phrases, ça devient compliqué quand vous n'avez pas l'habitude de lire un livre. Vous n'avez pas vu ce genre de texte que j'ai écrit pour expliquer que c'était un miracle et que c'était un homme de fou. Je l'avais fait il y a fort longtemps. Voilà. Et surtout, je ne mange pas du pain de Maxi Blarf, je ne me vante pas de ce que j'ai et je ne joue pas les riches parce que demain matin, je ne suis pas riche. Et j'ai connu un milliardaire qui roulait en Renault, un homme qui pèse plus que Donald Trump, qui pèse plus que, qui pisse sur Ronaldo et Benzema. Vous voyez ce que je veux dire? Il leur pisse dessus. Vous voyez ce que je veux dire? 21 milliards, quand un gars il gagne 30 millions, c'est même pas un milliard. 21 milliards. Ok, on ne parle pas des mêmes clochards. On ne parle pas du même monde en fait, vous comprenez? Et quand je vois ces messieurs qui est content, qui était content d'aller manger au Tarteret, c'est bon, je me tais, je parle pas avec vous. Voilà, je vais pas parler avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand moi je vois des gens comme ça ne pas se raconter avec leur argent et je vois des trous du cul dès qu'ils ont un petit peu d'euros se la raconter, je dis moi j'ai pas le droit de faire ça et je le ferai jamais. Et même si j'ai je sais pas combien sur mon compte demain matin, je ne ferai jamais ça. Jamais de ma vie, parce que je ne suis pas Maxi Blaff. Je ne suis pas Maxi Blaff. Voilà. Je ne suis pas Maxi Blaff et jamais je ferai le malin ou rentrer dans la cité. Regardez, moi j'ai de l'argent. Regardez, moi j'ai ci. Regardez, moi j'ai ça. Ça, c'est vraiment les trucs d'arriviste, de gogol et de pauvres gens, et de pauvres gens, et de pauvres gens. Et tout ailleurs, ceux qui parlent comme ça, c'est toujours les plus pauvres. Voilà, donc j'ai fait cette petite aparté pour vous parler de notre sujet quand même, on va revenir à notre sujet. Bon, t'inquiète pas les frères, les vrais ont compris. Ben, je sais, de toute façon, si t'as connu vraiment la cité, en fait, tu peux pas t'inventer, tu peux pas supporter ça, en fait, tu peux pas te permettre de dire tout et n'importe quoi. Donc la Maxi Blarf, là, je vais vous montrer. Comme vous pouvez constater, il est en ligne. Hein. Là, il va peut-être se retirer de ligne, là, parce qu'il a cramé, regardez, il est en ligne. Donc, regardez donc les conversations avec moi et Maxi Blarf. Regardez ce bouffon. Regardez, et là, vous allez voir à qui j'ai affaire. Quel tocard, vraiment quel tocard, attendez. Mais quel tocard. Je vais remettre là depuis le début. Vous allez comprendre à qui j'ai affaire. Je vais remettre là au début. Attendez. Attendez, ça va être marrant. Ça va être marrant. Alors, t'as besoin d'un Western Onion? Pour payer le loyer? Merci, je peux pas. Dis-moi, Patochat, t'es dispo ce soir? J'ai mal à ma queue. Bon, t'es dispo? Il me fait, ah, t'as une infection? Mets-toi en live. Arrête ton baratin. Je lui dis, il me dit, t'as une assurance maladie? Il me dit, regardez, hein. Regarde bien comment il est en live. Hein. Il est en train de regarder tout ce que je fais, vous inquiétez pas. En live du virtuel, il me dit, en live ou du virtuel? Le roi du virtuel qui me demande si je veux le voir en live. C'est mieux quand tu te déplaces. À bientôt. Je répète, virtuel pour le moment, le réel, je ne donne plus rendez-vous, tu fuis. 1h30 du matin dans ta loge. Il me fait bisous, tu vois, il a honte. Comment tu as fait? Baltringue de fils à maman. Tu porteras pas plainte quand je vais te balayer, j'espère. J'ai dit, non mais, voyez, c'est un truc de fou. Après, regardez, bang bang, Muay Thai, je suis chaud, Belek. Ah, il fait le rebeu. il me dit. Vas-y, viens, j'utilise qu'une gifle. Vous voyez bien, je dis, je te mets juste une gifle. Parce qu'en fait, je peux pas taper. Vous savez, c'est comme si je jouais avec Mbappé au foot, hein, en fait. Hein. Vas-y, lourd, comment tu as fait à Orly pour avoir 2 jours d'ITD? Je lui pose la question, sérieusement, comment il a fait en étant à 4 sur un mec, avec sa sécu de bad boy, truc. Pourquoi tu es resté chez les Travelots à Fleury? Parce que bon, à Fleury-Mérogis, regarde, il me répond. Low kick, du turfu. J'ai l'impression de parler à un gamin de CP. Mais je dis, mais fallait sortir en promenade. La promenade, c'est là où vont tous les prisonniers, les trucs, ils sortaient pas en promenade. Bang bang, popo, bang bang, popo. Et il me répond. Il me fait 15 jours de confinement. Franchement, je suis obligé de rigoler. 15 jours de confinement, il est resté comme une pute. Paye ton loyer, abuse pas. T'as ramassé le courrier? C'est ton taf. Ah bon? Frère, 21 milliards, frérot. Peinard! Eh oui, c'est la réalité. C'est facile à vérifier. Il y a même des jardiniers qui font la pelouse. Elle est belle. J'ai pas ton vécu. Ma mère m'a pas chouchouté au Col-sur-Loup. Ben, c'est vrai en plus. Moi, je viens pas du Col-sur-Loup. Hein. Quand tu as une opportunité comme ça, tu profites, mon pote. Merci toujours, monsieur Dassault. Ben ouais, toi, t'es un fils de pute, c'est pas facile. Ah non, la pute, c'est ta mère. Je te le dis. Force.
Et ma voix force, non, hors sujet, la conversation de gosse. Hein. Tu vois un psy? C'est chaud, là. Je lui dis, tu vois un psy? C'est chaud la mythomanie. Parce que c'est vrai en plus. Je vois ta mère la pute, elle pue. T'es vilain. Les mêmes réponses que les gamins disent, t'es vilain. Bah, en tout cas, moi, en tant que vilain, je me tape pas une grosse pute comme la tienne, hein, franchement. Tout ça d'oseille pour finir avec une connasse qui me fait cocu, mais sur ma vie, j'aurais mal au crâne. Je t'avais dit de venir de prendre ta gifle. T'es nul en boxe. Ah bah c'est sûr, t'as combattu avec des protèges tibias. C'était simple, fallait juste venir prendre ta gifle. T'es rien sans moi. Ah, en plus, j'y crois que Donc en fait, il croit que je suis son fan, le pauvre. Il croit vraiment que je fais partie de ces gamins de 12 ans. Je suis ton daron et ta mère, c'est ma pute. Elle pue. Oh là là, ouhou. Oh là là, j'ai eu le blague carambar. Nique ta mère. Il sait plus comme ça. Non, Maxi Blarf. Oublie pas que papa t'a sauvé de Baderari. Bon, ça, c'est une vérité qu'il a oubliée. Amène qui tu veux, enfin de putain. Pétouille. Bon, paye pas de loyer sur 3 hectares, mon frère. Là, c'est un ranch, c'est une propriété, c'est un autre monde. Un grand garçon comme toi, n'oublie pas quand tu disais à papa Carton. N'oublie pas quand tu disais à papa Carton, était trop fort. C'est vrai, il disait à tonton Marcel, à tata Marcel, il lui disait, ouais, Carton, oh non, jamais je vais me boxer avec lui. Puis maintenant, ils font des montages en n'oubliant pas. Bon, j'avais dit que ces trucs de môme, là, quand ce petit combat, c'était pas mal pour un. Pour un chanteur, mais ça restait tout classé. Et maintenant, il se rend pour un pro, il se rend pour un grand boxeur, enfin. T'es venu à la boutique faire ta photo en uncut? Bah ouais, je suis venu me foutre de la gueule de Baderari. Le mec, il a dit que je voulais me faire sponsoriser par une marque sur laquelle j'ai fait un dit. Encore, j'allais l'acheter en plus de t-shirt. Et puis le gars, il m'a dit non, il était tellement content que je fasse la pub de leur marque dans le magasin. Quelque part, ça leur a fait un peu de pub. Bon, ça a pas marché quand même. Et je me cache pas à Miami, tu voulais tourner dans mon clip. Oh là là, le ouf. En fait, il faut que vous sachiez que, pour que je dise toute la vérité, en fait, il y avait, quand j'ai commencé avec mon Instagram, vous savez qui tenait mon Instagram jusqu'à décembre, truc, c'était un gamin qui tenait les blogs de rap, il s'appelait Sinox. Et ce gamin, c'est lui qui a un jour mis Je suis Charlie. Quand il y a eu l'attentat, en fait, moi, je dormais. Et lorsque. Donc, en fait, c'est lui qui gérait mon Instagram parce que je ne savais même pas comment ça marchait. Donc, c'est lui qui parlait à Maxi Blarf parce qu'il était content, il était fan. Bon, c'est pareil avec d'autres gens, etc. Les gradures, c'est grâce à lui, je ne savais même pas qui c'était. En fait, quand je suis allé chez Skyrock, pour vous dire la vérité, je ne savais pas qui était. Et quand j'ai vu un petit Renoir sympa qui m'avait un truc, je l'ai vu, ah, c'est lui. Voilà. Voilà, ça, vous allez tout savoir. Miami, Paris, tu feras jamais rien, une douille. Comme si je vais aller à Paris alors que t'étais enfant. Que c'était. Ouais, comme je disais, c'était pour faire chier, truc. Après, regardez ce qu'il m'envoie. Bang, bang. Bang, bang. Je lui dis, pas besoin. Me don, c'est à côté. À bientôt alors. Tu sais, moi, je me planque pas derrière des gamins. Et je te regarde en face. Je me cache pas sur Insta. Et là, il me dit, paye ton loyer et distribue courrier, nègre de maison. Ben non, ici, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de courrier. Hein, je suis tout seul ici, c'est terminé, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien du tout à payer, je te le dis. T'es un fils de pute et tout, sans talent. Ah bon? Ni loyer, encore moins courrier, à part le mien. Qu'est-ce qu'il m'envoie? En plus, il y a un majordome, tu sais. Tu vas rien faire, tu le sais, poutot. Bah ben oui, c'est sûr, tu cours, tu te caches chez Cyril Hanouna, tu te rappelles. Low kick. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Loukik Popo, Loukik Popo. Moi, je te dis que je serai en face de toi. Oui, toi et moi uniquement. Il me dit, oui, ce jour-là, sois en forme. Il me dit, je lui dis, mais je vais pas envoyer des gens au placard. Mange tes chocs à pic. Non, mais prends ta coke. Héroïne, je prends. Fume un spiff. Héroïne, crack, la base. Enlève ta casquette à l'envers, 45 ans. Même les gosses se foutent de ta gueule. Effectivement, j'ai vu un gamin de télé-réalité qui se foutait de sa gueule. L'octogone était magnifique. Alors ça, j'ai rigolé. Ça, c'était. D'ailleurs, c'est moi qui vous l'avais dit à l'époque que tout ça était une arnaque. Et quand même, en tant que promoteur, moi qui étais le plus grand promoteur français de l'histoire de la boxe thaïlandaise, personne n'a fait ce que j'ai fait. Comment vous allez m'expliquer comment s'organise un événement? Mais monsieur, vous voulez me mettre des carottes. Il y a que vous, les couillons, qui y croyez. Donc voilà, je vous l'avais dit à l'époque. Vous aviez dit que j'étais même jaloux. Et s'il arrive quoi que ce soit, j'ai dit Octogone, c'était magnifique. Maxi Blarf, tu veux faire un live? Il me fait petite pute, à part te foutre de la gueule déchiquetée et les jeter comme des Kleenex. Tu sais rien faire, même les montages pourris que tu trouves des clips pour les faire insulter les femmes arabes de beurette, c'est la vérité, tellement fort que tu arrives à faire des journalistes essayer de me faire passer pour un mec du Front National. Alors que j'aide en permanence des jeunes des cités, ah, c'est quand même inquiétant quand même. Paye ton loyer.
En fait, il n'y a pas de loyer. Il comprend pas. Il comprend pas. En fait, comme il a pas, il sait pas quoi me dire, il parle pour rien dire. C'est gratuit. Viens manger un barbecue. Je l'invite à boire, à manger un barbecue. Alors qu'il recommence, viens. Emmène pas ton chat. Mais moi, je lui dis, emmène pas ton chat. Mais moi bien, Maxi Blarf. Je paie pas. Je suis comme toi. Tu vois. J'ai vécu. Je commence à vivre ta vie de ma, ton vie, ta vie de maman. Ah là, il m'a écrit, tu vis pas. Alors là, c'est là que je me suis dit, ce qui est dit que c'est inquiétant. Tu vis pas. Alors tu vis avec un S. Bon, bref. Je suis pas maître Capello, mais. Putain, t'as été à l'école à Meudon-la-Forêt, ta mère, elle a payé tout ça. Et putain, t'en arrives à m'écrire des comme ça. Donc je lui pose la question, tu fais quoi avec Bolloré? Et il me répond, les Noirs sentent fort. On a un projet. Oh, les mythos. Un gala de boxe. Alors. Pour les incultes, Bolloré, c'est lui qui a tous les ports d'Afrique. Il a strictement rien à foutre des galets de boxe. Donc, ouais. Après, je dis donc, t'es avec le plus grand pilleur de l'Afrique. Puisque moi, en fait, ça me dérange pas, je suis français. Donc, moi, Bolloré, à la rigueur, je peux le fréquenter. Je m'en tape concrètement. Je suis français et je me mêle pas de ce qui se passe dans l'autre continent. Excusez-moi, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si je me considérais comme un représentant panafricain, je ne sais quoi, il est certainement. Et ce serait pas possible pour moi de me présenter avec ce monsieur. Le vainqueur, hein, il me dit, le vainqueur, il baisse sa mère. Donc là, il me défie. Là, il essaie de me faire un défi. Donc, un défi, genre, il veut me combattre. Ah, ça y est. Donc, je lui dis, tu vas être promoteur. Ben, ça y est, j'ai gagné. Envoie Patochat. Bah oui, c'est pas un combat, en fait. Pauvre cloche. Maxi Blarf, comment ça se passait au Col-sur-Loup? T'as vu, je lui pose des questions. Biscotte, pourquoi tu caches les photos de ton enfance? Ça y est, avoue, t'es cramé. Tu faisais du camping. Regarde ce qu'il m'écrit. Je mettais des loukicks dans les arbres. Avec Marie-Glantine. Bélec, bélec. Je parle à Jean Kader, frère. Élie Kader. Ah oui, j'ai vu ça avec ton casque et protège si bien. Donc, magnifique l'octogone. Hein. J'arrive au studio. Baisse bien ta mère. Alors, tu as fini avec ça? Western Union. Oublie pas, oublie pas. Écoute-moi bien, ces pauvres artistes, ils sont en galère, ils ne les payent même pas. Ces jolis gars, ces compagnies, ils sont tous en galère. Ils vont me donner des Western Union. Non, mais vraiment, il est marrant celui-là. Tu sais, c'est pas ma mère qui a fait les papiers à ton père. Allez, hey, publie la conversation, ça va liker. Il m'écrit ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces likes? Il est trop fort, ton rep. Bon souvenir, c'est compliqué hein, comme quoi ça. Ben, souviens-toi de la dernière conversation. Il y a 4 ans, tu l'as publié alors même que tu m'avais dit surtout ne publie pas. Exactement ce qu'il a fait avec Frank Gastambide. Bon, Frank Gastambide, c'est un gros lèche-boule. Je l'aime bien, mais c'est devenu un suceur de boule de première. Mais ça ne se fait pas parce que Franck, quand je le connais, il est super sympa et franchement, c'est un mec cool. Mais c'est devenu un suce-boule. Je suis désolé, Franck, t'es devenu un suce-boule. Et c'est bien fait ce qui t'est arrivé. Franchement, tu me déçois de jour en jour de faire des trucs de suceur de bite comme ça, des mecs qui te crachent à la gueule. Et alors que franchement, à la base, t'es un mec super cool. Moi, je t'aime bien, mais sur ça, je t'aurais dit en face, t'es vraiment un suceur de boule. T'es vraiment un lèche-boule. Alors je dis bon. Tu te caches à Miami, tu suçais la bite à Benzema, qui maudit ta demi-race avec Bassem et Henny. C'est une vérité. Vous avez bien vu le soutien appuyé de la part de Maxi Blarf envers Bassem et Henny. C'est un truc de malade. C'est des gens qui passent leur vie à maudire les Noirs comme jamais. Je vous ai envoyé des vidéos et vous avez les preuves. Après, il me dit, publie tout, Magie, je t'ai jamais dit ça. Ça publie ta mère, la grosse bite. Ah ouais? C'est pas lui qui a donné la conversation aux Parisiens? C'est pas lui qui a donné la conversation aux Parisiens quand il m'avait fait son pseudo-défi dans une boîte de nuit? C'est facile à vérifier. T'es prêt, donc je lui dis, t'es prêt à vendre ta mère pour vendre des disques. T'es prêt à t'associer au pire des Systras et tu fais. Je dis, bon, on fait un live? T'as peur? T'assumes pas? Et là, il m'a dit, ta maquilleuse, elle est là. Tu veux que je t'écrive un texte? Parce que je lui dis, oui, il prépare un truc. Il me dit, ah, tu veux un live? Tu veux un live? Bah, je dis, oh bah oui. T'es sûr? Bah oui, à tout de suite. Regardez ce qu'il me dit. Oh, explique-moi ton projet. Vas-y, on va rire. On va rire? Total impro. Bah oui, je crois que je prépare un spectacle. En fait, il est chez Hanouna, lui. Tu vois, parce que chez Hanouna, tout est organisé. À la base, bon, on va recevoir lui. Donc lui, on va lui cracher dessus, comme ils ont fait avec Caris. Ou lui, on va le recevoir comme un roi, d'accord? Comme ils font avec Maxi Blarf. Il m'a pris pour un bouffon. Tu veux rire, coquinou? Un pro genre freestyle? Bah, il a du mal à comprendre. Vas-y, t'es dans le rap, l'impro, ça te connaît. Je vais pas te donner de cours. Bon. Bah vas-y, je finis le studio et je te bip. Bon, on y va? À tout de suite, fils de pute. Bah à toute.
Je t'attends. Reste branché. Prépare ton live de ton livre. Je dis prépare ton livre de vanne. Prépare ton livre de vanne. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Putain, tu fais plaisir, l'effet de la cocaïne, c'est magnifique. Bah ouais, j'ai cru qu'il avait retrouvé ses couilles. Héroïne pour les puissants. Ah, je sais pas, je connais pas bien. À toutes, les drogués sont incroyables. Je t'ai halluciné quand même. Laisse-moi bosser ou sinon, tu veux ton live ou pas? Non, mais en fait, il me prend pour son fan. Là, j'ai compris qu'en fait, il est dans son monde avec ses petits gamins là, qui lèchent le cul. Et là, donc j'ai dit, fais vite. T'as cru que je suis ton fan? Bah ouais, c'est ce que je dis, dépêche-toi. Ah, en plus, t'es impatient. Bah ouais, fais vite. C'était le moment de la rigolade. Hein. Je dors pas à 3 h du matin. Donne l'heure. Eh bah, dis donc, dépêche-toi. Il est 23 h 30. Je te donnerai l'heure quand tu auras payé ton loyer. Minuit, je t'attends. Paye déjà tes dettes. Je lui dis, bah ouais, paye déjà tes dettes à Uncut. Bah ouais, parce que la boîte, elle a fermé avec 400 000 euros de dettes. 400 000, donc j'ai à payer ça. Et bientôt, ta nouvelle marque de mytho va fermer. Et ça, vous verrez. Le temps passe vite. Alors, j'annule la cam, à tout de suite, raconte pas ta vie. T'as vu, je lui dis très simplement, et voilà. Regardez ce qu'il me dit. J'ai pas fini, encore, sois patient, petit fils de pute. T'as pas assumé, il te fallait un prompt. Et donc, après, je l'appelle, je fais, t'as pas assumé, il te fallait un prompteur, ou un scénariste, on n'est pas chez Hanouna. Tu vois, parce que bon, au bout de je sais pas combien de temps, quand j'ai un truc, j'ai vu, hein. Donc à minuit 8, vous avez la conversation, puis après minuit 8, j'avais lâché l'affaire avec lui. Après, il m'a dit, t'as pas assumé, il te fallait un prompteur, un scénariste, on n'est pas chez Hanouna. Et oui, quand tout n'est pas préparé, vous voyez bien que j'ai un môme, j'ai pas un mec normal. Donc là, je lui mets la photo de son rep. Bon, tu vois, t'es impatient. On peut pas aider les gens comme toi. Tu vois, t'es impatient. On peut pas aider les gens comme toi, c'est dommage. En fait, il avait cru que j'en avais quelque chose à foutre de sa gueule. Voilà. Donc, comme vous l'avez constaté, je lui ai envoyé cette conversation sortie de partout. Voilà. C'est très inquiétant. J'ai très très inquiétant. Et les gens qui écoutent ça sont des gens vraiment très inquiétants. Les beurrettes à la chicha, les trucs comme ça, les rebeux qui. Elle est trop forte celle-là quand même. Elle est marrante celle-là. Je vais cliquer. Ça, c'est encore un de mes espions qui me l'a envoyé. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Excusez-moi, je vais remettre. Attendez, je vais remettre le son. Je vais chercher le son là, sur ce téléphone. Ah, dommage, le son ne marche pas sur ce téléphone. Dommage, c'est un vieux téléphone, c'est pas grave. Mais vous le voyez, il est là. À demain, Inch'Allah. Je prends pour un rêve. Non, mais franchement, c'est inquiétant. Non, mais franchement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc voilà, je vous faisais participer au vrai. Je vous ai fait laisser. Ah ouais, il a menacé de me balayer. Depuis, je dors, il va me balayer. Ah, merci. D'accord. Donc. Ben, comme vous avez vu, je l'ai contacté. Hein. Et puis il a stressé, il a stressé, il a stressé, il a stressé. Parce que ce mec-là, s'il n'a pas un prompteur et s'il n'a pas des gens qui sont derrière lui pour lui cirer les pompes, ben, il n'y a plus personne. Voilà. Voilà. Et il a une répartie de gold de 5 ans. Je vais garder ce commentaire, je vais le mettre, épingler le commentaire. Il a exactement la répartie d'un enfant de 5 ans. C'est la vérité. C'est exactement ça. Ouais, c'est un adolescent qui tient un compte. Et franchement, ouais, discussion inutile. Ouais, il fait genre pour pas qu'on le sup. Non mais voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Voilà.
Donc, vous l'avez pu voir de vos yeux. Il te fait même rigoler. Ben oui, ben je peux pas en fait. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait d'études moi personnellement, mais voilà quoi. Il y a des trucs qui me choquent hein, quand même. Hein. Pourtant, moi je suis un boxeur, mais là je. Et puis attends, ce mec-là, il voulait aller faire un débat avec Zemmour. Non mais franchement, ils savent pas, ils ont la tête, ils ont pété les plombs ces gens-là. L'air carton. Ils se sentent plus. Non, arrêtez de vous monter des films parce que sinon j'aurais attendu, j'aurais flatté votre idole, mais je m'en bats pas les couilles en fait. C'est juste que. Voilà. J'ai direct, c'est bien, j'ai vérifié. Donc voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Voilà. Vous avez tous compris. Ouais, que des gamins qui sucent leurs doigts. Bon, j'efface, je bloque parce que sinon.